On commence ce journal en Chine à la veille de la 27e journée internationale de lutte contre le sida. Le premier ministre chinois Li Keqiang a souligné l'importance de continuer la lutte contre le VIH. Il s'est rendu à l'hôpital Yuan de Beijing, le premier à accepter et à soigner les malades du sida dans la capitale chinoise. Le premier ministre chinois a rencontré le personnel et les volontaires de l'hôpital et a discuté de leurs efforts de prévention et de traitement du virus. Il a appelé à prendre des mesures de prévention standardisées et à atteindre l'objectif de zéro infection d'enfants d'ici 2015. Il a également promis plus d'investissements du gouvernement et de coopération internationale pour partager les expériences de traitement de la maladie.